Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line. Oh, tell him what. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. If you want the Holy Ghost, tell him what you want. If you want the Holy Ghost, tell him what you want. If you want the Holy Ghost, tell him what you want. Jesus on the main line now. Oh, come on now. Oh. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, Jesus on your main line now. If you want your healing, tell him what you want. If you want your healing, tell him what you want. If you want your healing, tell him what you want. Jesus on the main line now. Oh, one more time. Jesus on the main line, tell him what you want. On the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Amen. If you want your family saved, what you want. If you want your family saved, tell him what you want. If you want your family saved, tell him what you want. Jesus on the main line now. One more time. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Last time. Jesus on the main line. Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line now. Last time. Jesus on the main line. Tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Hallelujah! Glory to God! Gloire à Dieu! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah! Praise God, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Il est ici, sur la ligne principale ce matin. Dieu ne peut pas mentir. Gloire à Dieu, amen. Louange à son merveilleux nom. Inclinons la tête dans un mot de prière. Père, nous savons que tu es en ligne. Nous ressentons ta présence. La parole a été prononcée. La charité est ici pour le Saint-Esprit, pour la guérison, pour le salut des familles, pour la délivrance. Que Dieu soit loué. Père, oint ta parole, afin que le peuple soit libéré, que de grands signes, prodiges et miracles soient accomplis. Gloire à Dieu. Amen. Père, nous demandons la bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restons debout pour la lecture de la parole. Saint Marc 5, versets 21 à 34. Saint Marc 11, 23.
Saint Marc 5, 21. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. Et quand Jésus fut repassé par bateau de l'autre côté, beaucoup de gens se rassemblèrent vers lui, et il était près de la mer. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Et voici, vient l'un des chefs de la synagogue du nom de Jaïr, et quand il l'a vu, il est tombé à ses pieds. And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Et il le supplia grandement, disant, Ma petite fille est sur le point de mourir. Je te prie, viens et impose-lui les mains, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Et Jésus partit avec lui, beaucoup de gens le suivaient et le pressaient. Et une certaine femme, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait souffert beaucoup de choses de la part de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et son état ne s'était pas amélioré, mais s'était plutôt aggravé. Quand elle eut entendu parler de Jésus, elle entra dans la foule derrière et toucha son vêtement. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Car elle a dit, si je ne touche qu'à ses vêtements, je serai guéri. And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Et aussitôt la perte de son sang se tarit, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette infirmité. And Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone unto him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes? Et Jésus, sachant aussitôt en lui-même que la vertu était sortie de lui, se retourna dans la foule et dit, Qui a touché mes vêtements? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? Et ses disciples lui dirent, Tu vois la multitude qui te presse, et tu dis, Qui m'a touché? And he looked round about to see her that had done this thing. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cette chose. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Mais la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui se passait, vint se prosterner devant lui et lui dit toute la vérité. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Et il lui dit, Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. Saint Marc 11:23. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que les choses qu'il dit arriveront, il obtiendra tout ce qu'il aura dit. Que Dieu ajoute ta bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, j'aimerais prendre un petit titre ce matin. Ensuite vint Jésus. J'ai un petit sujet. Qui a touché mes vêtements? Ce soir est le souper du Seigneur. Frère Nino prendra la parole. Et n'oubliez pas de prier pour Frère Hunt. Eh bien, il est 6 heures, il est censé être à l'étranger, ça commence maintenant. Il va prêcher ce soir là-bas. Eh bien, ce matin, une petite exhortation quant à notre saison et notre promesse. Eh bien, aujourd'hui, combien de malades ici ce matin? Eh bien, il y en a quelques-uns. Je voudrais juste essayer un signe pour ce matin. Il y a plusieurs signes dans la saison de la charité. Et l'un des signes que Frère Branham a toujours essayé d'apporter était sans l'imposition des mains.
Juste le Saint-Esprit lui-même descendant. Ainsi, mon but ce matin est de construire votre foi, gloire à Dieu, où cela va exploser. Et vous verrez littéralement Jésus-Christ marcher dans l'allée. Et par la foi, vous pourrez toucher le bord de son vêtement. Parce que vous savez qu'il est ici. Alléluia. Dans un message, ensuite vint Jésus, Jeffersonville, en Indiana, en 1957. Citation. J'étais simplement inspiré de leur dire ces paroles. Qu'un jour glorieux, tous les dons qui sont dans l'Église seront mis sur la cheminée, pourrait-on dire, et le Saint-Esprit lui-même prendra l'Église sous un tel contrôle de l'amour divin au point où les malades seront guéris, les aveugles verront, les infirmes marcheront, sans leur imposer les mains. Ce sera une grande unité. Ce pourrait être le jour. Alléluia. Ayez ce but dans votre cœur. Ceux pour qui on a prié auparavant. Ceux qui ont une infirmité ce matin. Ayez ce but dans votre cœur. C'est votre jour. Alléluia. Pourquoi? La dynamique sur la mécanique est ici. C'est la saison de la charité. Le croyez-vous? Alléluia. Dieu peut faire toutes choses. Gloire à Dieu. Pour vous donner une petite illustration, dans le naturel, j'en ai parlé il y a environ 3 ans, mais je ne pense pas que ce soit sur bande. Je parlais d'un réservoir ou d'un barrage. Là, un barrage pour l'eau. Comprenez ce que je dis? Pour vous donner une petite illustration, l'eau, quand elle est dans une position de repos et qu'ils l'endiguent, ils font un barrage, c'est pour une puissance mécanique potentielle. Amen, frère Kurt. C'est lui qui m'a donné ceci. Plus la hauteur de chute est élevée, plus grande sera la puissance. Là, très haut, ce serait une plus grande puissance. Comme les astronautes. Gloire à Dieu. Je me demande pourquoi ils n'ont pas pu monter l'autre jour. Serait-ce le jour? La puissance de Dieu. Je me demande pourquoi. Dieu montre des signes dans les cieux. L'astronaute. Gloire à Dieu. Ils se sont entraînés pendant 3 ans. 78, 79, 1980. Ils doivent faire 4 voyages pour piloter ce vaisseau eux-mêmes. Il s'agit du premier vol habité depuis 1975. Je me demande si c'est le temps d'entrer dans cette dynamique, le contrôle de la dynamique, le contrôle suprême, ces 7 vertus. Qui contrôle la puissance par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. La charité ne faillit jamais. Gloire à Dieu. Gloire. Plus la hauteur est élevée, plus la puissance est grande. Maintenant, l'eau au repos contient de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'énergie stockée, emmagasinée. De l'oxygène, de l'hydrogène, c'est de l'énergie emmagasinée. Pour avoir de la puissance, l'eau doit être retenue par un barrage. Quand il est haut, c'est de l'énergie qui est stockée. L'eau est immobile. Et c'est une eau profonde.
Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Le silence. Le septième sceau. Quand il brisa le septième sceau, silence. De l'eau dormante. Pendant 17 ans. Là, très haut. Vous montez là très haut. Mais aujourd'hui, l'eau peut être libérée. Que Dieu soit loué. Très haut dans le réservoir. Dans le réservoir, l'eau est emmagasinée. Et là en bas, il y a la turbine à eau. Amen. Là-haut, et la turbine est en bas. L'eau tombe du réservoir là, vers le bas sur la turbine. Alors la turbine transforme l'eau en énergie mécanique. Amen. Alors vous avez ce qu'ils appellent une centrale hydroélectrique. Amen. Maintenant, il y a le générateur, une génératrice, une dynamo, et il y a un pôle nord et un pôle sud, deux pôles, ainsi il y a du magnétisme, il y a une bobine, et il y a un aimant. Amen. Ensuite, il y a la turbine à eau. Voici la turbine à eau, et voici l'eau là en haut, qui descend vers la turbine à eau. Et la turbine capte l'eau et se met en mouvement. Et un aimant dans cette génératrice, la dynamo, capture cette énergie dans un collecteur et la transforme en énergie électrique. Comprenez? L'aimant dans la dynamo tire l'énergie mécanique vers la dynamo. La dynamo se met en mouvement et transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Et l'énergie électrique va dans un collecteur. Puis à partir de ce collecteur, l'énergie électrique va dans le fil et le courant circule. Amen. Oh, gloire à Dieu. La dynamo est aussi réversible. De ce côté-ci, vient l'énergie mécanique. Et de l'autre côté, vous pouvez vous brancher. Là, l'énergie électrique d'un côté, c'est mécanique, et de l'autre côté, c'est électrique. Je pense que vous avez déjà saisi. Ainsi maintenant, la dynamo est aussi réversible. L'énergie électrique peut être branchée sur la dynamo pour transformer l'énergie électrique de ce côté-ci en énergie mécanique de l'autre côté, devenant ainsi un moteur électrique. La dynamo elle-même devient en fait un moteur électrique. Une fois que l'énergie électrique y pénètre de ce côté, alors j'ai vu quelque chose. L'eau, c'est la parole. Gloire à Dieu. Et très haut, dans le réservoir, il y a Dieu, les sept sceaux, les sept tonnerres, la dernière pluie, et elle est endiguée depuis la fondation du monde. Tous les mystères, très haut, gloire à Dieu, amen. C'est de l'énergie emmagasinée. Tout en bas, Dieu a dû trouver quelqu'un de très humble, de très bas. Il devait trouver une turbine à eau. Malachi 4. C'est la turbine à eau. Puis les sept sceaux, tous les mystères tombent sur Malachi 4. Malachi 4 transforme l'eau de la parole pour la saison et la transforme en énergie mécanique. L'adoption, la perfection, la parole parlée. 2 Pierre 1, 4 à 7.
est une énergie strictement mécanique. C'est de l'énergie strictement mécanique sur les bandes et les brochures. Si vous ne le croyez pas, ça restera là. Amen. Mais vous avez une dynamo dans votre cœur. Vous avez un aimant pour capter cette énergie mécanique. Alléluia. Louez Dieu. Cet aimant, il est dans votre cœur. C'est une dynamo. C'est le Saint-Esprit. Une semence de révélation. La foi. Amen. Dans ce générateur, la dynamo, un aimant qui est dans votre cœur, qui saisit toute la parole. Amen. Il conduit l'énergie mécanique dans la dynamo, la semence du Saint-Esprit dans votre cœur, et le mouvement commence. Amen. Vous n'attendez pas de sensation. Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Sortez de votre église. Sors, Abraham. Je n'ai pas de piano. Je n'ai pas de pasteur. Mettez-vous en route. Allez-y. Que Dieu soit loué. Amen. L'eau de Dieu. La parole, l'eau de Dieu. Frappe la turbine Malachi 4 et elle est transformée en énergie mécanique. La semence de la foi est l'aimant, la dynamo. Saisis 2 Pierre 1, 4 à 7, ce qui est l'énergie mécanique. Et ensuite, par la foi, à New York, Guayama, Fort Wayne et différents endroits, ce que le prophète a vraiment dit, sept tonnerres donnent la foi. Amen. Et tous les autres, le prophète a dit, c'est resté sur les bandes et sur les brochures. Mais les semences élues le transforment en énergie mécanique. Et dans leurs collecteurs, leurs assemblées locales, leurs centrales électriques, amen, leurs centrales électriques s'allument, transformant l'énergie mécanique de la turbine à eau en lumière de l'épouse pour y entrer. Nous marchons dans la lumière. Venez là où les gouttes de rosée de miséricorde étincellent. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Saisir l'énergie mécanique et la transformer en lumière de l'épouse pour y entrer. Ce qui est de l'énergie électrique, car c'est la lumière de ce jour. Le don, les dons, c'est terminé. Ceci est la lumière. Et cette énergie électrique est la foi tout le long jusqu'à la charité. Vous pouvez réellement ajouter la charité à votre affection fraternelle. Et cette chose à votre foi. Ensuite, vous marchez pendant 15 ans dans l'énergie électrique de Malachi 4, qui était de l'énergie mécanique. Mais les sept tonnerres donnent la foi pour la transformer en énergie électrique. Amen. Vous avez des yeux pour voir dans l'obscurité. Dans le sceau de Pâques, à la page 29, Frère Branham a dit, entrez dans ce baptême du Saint-Esprit et Dieu vous remplira. Vous y êtes entrés et Dieu vous remplira. Un jour, en 1981, je vais oindre votre foi et vous le verrez. Et il vous remplira, et il vous scellera, et vous donnera la vertu, la connaissance spirituelle. Amen. Ainsi, la lumière de Malachi 4 est la foi tout le long jusqu'à la charité, l'énergie électrique. Et la foi est le mari, et les œuvres sont la femme. C'est reçu par la foi et donné par la foi.
Vous pourriez le recevoir, sept tonnerres sont les sept voix des sept âges de l'Église. Mais oh, vous feriez mieux d'avoir la foi pour sortir à l'extérieur et le redire. Tous les démons de l'enfer seront contre vous. Donc la foi pour le recevoir et la foi pour l'exprimer. Amen. Les sept tonnerres sont les sept voix des sept âges de l'Église. C'est une centrale électrique. Et dans cette centrale, il y a des centrales électriques individuelles. C'est une église biblique, une église du message. Vous êtes les croyants. Vous êtes le fil. Amen. Vous pouvez brancher le fil d'ici jusqu'à votre maison. Amen. Que voulez-vous dire? Nous prions pour les malades ici, et le fil va jusque-là, et ils sont guéris. Gloire à Dieu. Ils ont été guéris depuis cette centrale électrique. Et la foi grandissant à Porto Rico, ils ont été guéris. New Jersey, Long Island. Gloire au Seigneur. Oh là là. Vous êtes le croyant. Le fil. Sans aucune résistance. Vous êtes libre maintenant. Gloire à Dieu. Vous avancez bien. Relaxez-vous. Gloire à Dieu. Maintenant, les croyants, c'est le fil. Aucune résistance. La ligne de moindre résistance. Vous devez trouver la ligne de moindre résistance. Alléluia. Pas de raisonnement. Pas d'imagination. Pas d'affection. Rien. Dieu l'a dit. C'est écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, hallelujah. Look all the believers. Regardez tous les croyants. Amen. Now the believer. Maintenant le croyant, c'est le fil. Il doit trouver une ligne de moindre résistance. Et quelle est cette ligne de moindre résistance? La foi est le fil, offrant le moins de résistance pour recevoir l'énergie électrique, pour les transformer en énergie électrique depuis les bandes et de l'usine de Malachie 4, les brochures. Vous êtes la lampe. 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est une ampoule à trois voix. Un tour, le cri. Un autre tour, la voix. Un autre tour, la trompette de Dieu. Vous êtes l'ampoule. Vous êtes la lumière pour ce jour. Praise God. La foi est une évidence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La foi est une évidence. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est le cri, la voix, la trompette. Alors, s'il est descendu et vous a donné les sept tonnerres, eh bien, les sept tonnerres sont en vous maintenant. Ce qui est le cri. Vous avez la foi maintenant. Vous êtes dans l'enlèvement maintenant. La foi est. La foi est. Le cri. Le cri des sept tonnerres. Et vous faites partie de l'enlèvement. La foi est l'évidence des choses qu'on espère. La substance. Amen. Je veux dire l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas l'enlèvement. Vous ne voyez pas Jésus. Mais le cri est l'évidence. Les sept tonnerres. C'est l'évidence. Alléluia. Maintenant. Gloire. Thank you, Jesus. You understand now? Vous comprenez maintenant? Gloire. Praise God, amen. Now faith is. La foi est maintenant.
Écoutez encore. La foi est maintenant. La foi est maintenant. Le cri, cette tonnerre, fait que la foi est maintenant. Gloire à Dieu. Maintenant. Maintenant, la foi est de cette tonnerre, l'évidence de l'enlèvement de la foi. La foi est maintenant. La substance du souper des noces. Vous l'avez maintenant. Oh, gloire à Dieu. Vous l'avez maintenant ce matin. Ainsi, vous êtes déjà allumé. Il est prêt à faire ce deuxième tour. La dynamique sur votre mécanique. Gloire à Dieu. La foi est le fil. La foi est un parfait conducteur d'électricité. Tant que c'est le fil. Elle devient un parfait conducteur d'électricité lorsqu'il cesse de questionner, de douter, de raisonner, de s'imaginer. Quand tout cela se tait et dit « Dieu l'a dit », alors vous tirez l'énergie mécanique. Alléluia, gloire au Seigneur. Tout ce que la foi doit faire, c'est simplement faire confiance et obéir. Ne dites rien. Alors, il a un fil sans résistance. C'est fini. Dieu a trouvé un conducteur parfait. Amen. L'électricité, vous enfilez un fil et vous mettez en place une ligne de moindre résistance du générateur, puis vous laissez le courant le traverser. Et c'est la façon d'utiliser la foi. Ensuite, votre ligne de foi apporte la lumière de Malachi 4 dans votre centrale électrique. 1 Jean 1, 5 à 7, voici le message que nous avons entendu de lui, et nous vous le déclarons, que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui aucune obscurité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière de Malachi 4 d'aujourd'hui, dans cette lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais seulement dans cette lumière, qui est la plénitude de l'expiation. Amen. La lumière pour votre âge a été enclenchée. La lumière du temps du soir, le temps de l'adoption, Joseph Perfection, la lumière de Malachi 4, mais il reste juste là, sortant de cette turbine à eau. Vous pouvez passer cette cassette toute la journée, mais si vous n'avez pas la foi, ça ne vous fera aucun bien. Ainsi donc, la foi l'amène dans la direction dans laquelle vous voulez que cette puissance coule. La lumière des sept sceaux, sept tonnerres de Malachi 4 a toutes les promesses. Le salut, la guérison, délivrance, restauration, adoption, perfection, l'enlèvement. Mais c'est votre foi qui va la brancher. Elle coulera pour la guérison, pour le Saint-Esprit. Oh, ce matin, vous pouvez être connecté ce matin sans aucune résistance. Oh, vous pouvez être guéri, rempli, délivré. Louange au Seigneur. 2 Pierre 1, 4 à 7, de la foi à la charité, la lumière de Malachi 4 dans laquelle marcher, pour ajouter l'énergie mécanique et la transformer en lumière. Et puis lorsque nous avons tourné la nuée,
À l'affection fraternelle, ajouter la charité. Et cela a été prêché par la foi en juin dernier. C'est ce que je faisais. Je cherchais cette charité. Et maintenant, elle est ici. La nuit a été tournée. La charité est ici. Et qu'est-ce que la charité? C'est la dynamo. De ce côté-ci est la turbine à eau, envoyant de l'énergie mécanique. Et voici votre dynamo, votre aimant de la foi, votre fil pour le saisir et le transformer en lumière, une centrale électrique. Mais de ce côté-ci, une fois que la charité est venue, c'est de l'énergie électrique. Et elle peut être branchée de ce côté-ci. Et ensuite, elle va couler en énergie mécanique de ce côté-là. Alors, les sept vertus qui ont pénétré en vous, et vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez tout simplement pas de patience, pas de tempérance, et vous ne comprenez rien. Mais la charité est ici maintenant. Amen. Pour le brancher, puis le propulser, et alors vous verrez cette voix vivante. Amen. Gloire à Dieu. La dynamo est réversible. La centrale électrique reçoit sa charge finale lorsque la charité, la pierre de fête, l'énergie électrique glisse vers le bas et se connecte à la même dynamo du côté de l'énergie électrique. Et la charité ne faillit jamais. Gloire à Dieu, amen. Vous ne faillirez jamais. Puis la même dynamo de la foi qui a transformé l'énergie mécanique en énergie électrique, il inverse. Et alors c'est le temps de la dynamique, le temps de l'adoption qui transforme l'énergie électrique, la charité, qui a été ajoutée à l'affection fraternelle, la transforme à nouveau en 2 Pierre 1, 4 à 7 et propulse cette mécanique des sept voies vivantes le met en mouvement. Alors vous verrez une foi vivante, une vertu vivante, une connaissance vivante, une tempérance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une affection fraternelle vivante. Et quand Dieu voit cela, emmenez-le sur la montagne. La même colombe revient. Voici mon fils bien-aimé, en qui je suis très heureux d'habiter. Écoutez-le, Jésus-Christ. Alors vous devenez individuellement une centrale électrique en route vers la résurrection. Gloire à Dieu, prononçant la parole de Dieu. Oh, combien veulent être une centrale électrique? Ainsi, Dunamis est ici, la puissance pour le service, pour vous faire démarrer par un baptême d'amour dans votre âme, la puissance pour le service, pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, pour qu'ils la voient. Donc un baptême d'amour est ici aujourd'hui, un remplissage du Saint-Esprit est ici aujourd'hui, pour oindre votre foi, pour vivre. Oh là là! Gloire à Dieu. Alors la charité scelle les sept voix vivantes par la personne de Christ venant sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Le septième tonnerre est le tonnerre d'amour. C'est la drachme perdue. C'est l'amour fraternel. Et la charité est ici maintenant pour apporter l'amour fraternel. Et de certains y aient compassion. Jésus marchant sur deux pieds. Oh, nous y sommes maintenant. Gloire à Dieu, amen. Comprenez-vous, les amis? Comprenez-vous que Luther avait la justification? C'était son message. Wesley, la sanctification, les pentecôtistes avaient la naissance, la foi, mais la personne n'a pas été ajoutée. Ils ont joué avec les dons, mais les sept tonnerres, les sept voix, la personne, c'est notre message.
Comprenez-vous maintenant? Et vous ne pouviez pas manifester votre message avant que l'énergie électrique, la charité ne vienne. Il est ici maintenant pour manifester votre message. La dynamique et la mécanique ensemble, c'est le message de l'heure. Il se déplace là-bas, il se déplace ici, il se déplace partout. La puissance du Saint-Esprit se déplace comme un aimant. Amen. Il se déplace ici, il se déplace là, il se déplace partout. Gloire à Dieu, amen. Voyez-vous, les gens ne parviennent pas à comprendre ce que Frère Branham a dit. Les sept tonnerres, c'est le message de l'épouse. Et ils l'ont combattu toutes ces années. En d'autres termes, avant la résurrection, il doit y avoir sept voix vivantes. Ça doit se manifester. C'est votre message. Et alors vous serez adopté. Gloire à Dieu. Pour amener la résurrection. Mais il y aura sept voix vivantes. La dunamis, la puissance pour le service, oindra la vertu. Ils vivront des signes, des prodiges, des miracles. Ils chasseront les démons et guériront les malades. Sur le chemin de l'adoption. Saint Marc 16 en action, secouant la terre, la puissance de la prière qui envoie la lumière. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Gloire à Dieu. Alors, en devenant comme lui, à son image même, avec la plénitude de la parole et la plénitude de la puissance, devenant comme lui, à son image parole, vous allez dans la résurrection. Votre théophanie vous attend dans la résurrection. Votre théophanie vous a révélé, ah ouais, votre foi. Je ne suis pas ce que je veux être. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais. Je suis changé. Je suis une personne différente. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. La charité ne faillit jamais. Oh là là. Il y aura une épouse. Louange au Seigneur. Il y aura une épouse. La vertu coulera de l'épouse en partant dans le monde, comme il l'a fait par Jésus-Christ, comme cela a été le cas pour l'épouse primitive, comme pour Malachie 4, l'esprit de puissance jaillira de vous, l'esprit d'amour va s'écouler, une pensée saine, l'intelligence de Jésus-Christ. C'est votre message. Voyez-vous pourquoi le diable vous a si durement combattu? C'est votre message. C'est mon message. Amen. Que Dieu soit loué. La dynamique transformera la mécanique en dynamique de mouvement. La mécanique sera la parole vivante. Les voix, paroles vivront de la dynamique à la mécanique. Alors vous verrez des fils et filles de Dieu adoptés. C'est là que les visions apparaissent. La puissance. Les anges vous apparaissent en prison. Gloire à Dieu, amen. Des signes, des prodiges, des miracles. Des fleuves d'eau vive qui jaillissent de vous. Une puissance illimitée. Toute la puissance dans le ciel et la terre est intégrée dans mon épouse. La canopée de la vie vous couvre de son ombre.
une puissance illimitée pour faire les œuvres de Christ. Et qui est l'épouse de la parole? Jésus-Christ. Gloire. Un flux constant du croyant. Un flux constant. Pas de perte de sang, comme cette femme, parce qu'il a été oint de vertus qui s'écoulent. La charité ne faillit jamais. Celui qui est en vous est plus grand que celui du monde qui essaie de vous arrêter. Vous avez vaincu Satan. Alléluia. Nous y sommes. Oh, écoutez. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire maintenant que vous avez vaincu. Nous y sommes. Alléluia. Il a trouvé un peuple qu'il peut oindre, à travers qui il peut faire passer sa vie. Vous êtes le peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh là là! Merci Jésus! La charité ne faillit jamais. Un flux constant. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique est branchée. Le réservoir, l'océan est en vous. Oh là là. Vous n'avez pas besoin d'en garder un peu plus pour ce soir. Que s'est-il passé dimanche dernier? Ça s'est déversé. Dimanche soir, ça a coulé. Mercredi, ça a coulé. Ce matin, ça s'écoule. Et ça va couler ce soir. La charité ne faillit jamais. C'est ici maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi le prophète est venu. Pour réveiller le don en vous. Raviver le feu. Ajouter du carburant sur le feu. Un baptême, plusieurs remplissages. Le réveil des sept tonnerres est en deux parties. La révélation du carburant. Il y a le carburant. Nous avons donc une révélation des sept tonnerres. Et les sept tonnerres, c'est le carburant. Et le prophète le place là. Tous ceux que j'aime, je les réprimande. Ensuite, le quintuple ministère prend les tonnerres et les place dans votre fournaise. Amen. Pour vous mettre en feu. Non pas venir ici sec, mort. Mettez le feu. Amen. Gloire à Dieu. En train de crier, de louer, d'adorer, les mains levées, avec des larmes de joie qui coulent en feu. Le feu, le feu, le feu. Alléluia. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, praise God. Amen. Glory to God. The fire is here. Le feu est ici. Le feu, le feu. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. La révélation attise le feu. Le feu qui s'éteignait à Laodicée. Votre feu était presque parti. Et le message est venu pour l'alimenter. Relevez ça. Rallumez-le. Now just don't have a wild
Maintenant, ne tenez pas une réunion sauvage et puis aboutir à une interprétation étrange pour l'ajouter au feu. Ajoutez ces sept tonnerres au feu. Alors ça restera brûlant. Ceux qui croient les tonnerres, ils brûlent toujours. Alléluia. Ça ne s'éteint jamais. C'est l'éternité. Toutes les promesses de Dieu sont dans ces tonnerres. Comment cela peut-il s'éteindre? C'est impossible. 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 Alléluia. Impossible de s'éteindre. Une impossibilité. Ça ne s'éteindra jamais. Gloire à Dieu. Encore cinq minutes. Il est ici. Pourquoi? Pour vous guérir. Pour vous remplir. Gloire à Dieu. Ensuite vint Jésus. Il vient juste d'entrer. Gardez les yeux ouverts. Oh, il est ici. Que Dieu soit loué. Merci, Jésus. Maintenant, vous devez savoir à quoi il ressemble. Il porte une robe. Ce sont ses vêtements. Et vous pouvez toucher le bord de son vêtement. Il passe près de vous. Ne le laissez pas vous échapper. Vous pouvez tendre la main et le toucher. Gloire à Dieu, amen. Ainsi, vous avez été remué jusqu'à devenir une véritable flamme de feu ardente. Et pour s'assurer qu'il soit impossible qu'il s'éteigne, la nuée a été tournée, la dynamique est là. Pour ajouter la charité à l'affection fraternelle, puis la charité se transforme en énergie mécanique, les sept voies vivantes, la dynamique opérant les sept vertus. Ce n'est pas vous qui essayez d'être doux. Alléluia. Non. La charité, de manière naturelle. Gloire à Dieu. Je ne devrais pas faire, vous savez, peut-être que je devrais. Ce n'est pas ça. C'est impossible de le faire. Amen. Impossible. C'est Dieu voilé, marchant, parlant, utandolake. Je marche avec toi, je dors avec toi, je parle avec toi. Lorsque vous vous levez le matin, Dieu se lève. Quand vous allez travailler, Dieu va travailler. Quand vous allez dans le métro, Dieu va dans le métro. Quand vous allez au travail, Dieu va au travail. La charité ne faillit jamais. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 1:5. Car notre évangile ne nous est pas venu en parole seulement, mais aussi en puissance et dans le Saint-Esprit. Il y avait beaucoup d'assurance. La parole ici a-t-elle été activée? La démonstration du Saint-Esprit est-elle ici? Alors la charité est ici. Qu'est-ce que c'est? Une puissance inhérente de reproduire Jésus-Christ pour manifester la mécanique de la foi et faisant agir de manière scripturaire les sept vertus. La dynamique, l'esprit de puissance pour le service. Et la puissance doit être dans l'Église pour super ajouter les vertus, pour une super race, une super épouse. Et la vertu,
va super ajouter. Nous l'avons juste reçu par la foi, chaque promesse dans notre cœur. Mais la vertu est là pour super ajouter. Jésus-Christ est notre exemple. Je me prépare à terminer. La vertu jaillissait de lui. Ensuite vint Jésus. Il y avait maintenant une grande expectative. Aucune imagination sauvage. L'imagination, les cinq sens. L'imagination, le raisonnement, l'affection, la mémoire, la conscience et l'intellect vous donne un bon sentiment à ce sujet. Oh, je me sens bien. Oui, c'est votre intellect. Des vœux pieux, en espérant que ce serait tellement bien si ça se produisait aujourd'hui. Nous ne parlons pas de ça, c'est de l'imagination. Ça, ce n'est pas la foi. Saint Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, quiconque dira cette montagne, montagne, ôte-toi de là. Que s'est-il passé le 1er mars? Montagne, déplace-toi. Vous avez parlé à la montagne. Amen. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais crois que ces choses pour lesquelles vous avez prié le 1er mars, ce que vous dites arrivera. Vous aurez tout ce que vous direz. Ce n'est pas vous qui parliez. C'était les promesses que la révélation a poussé dans votre âme. Ces promesses, l'aimant, vous ont magnétisé. Vous ont fait vous lever pour parler à la montagne. Alléluia. Voilà votre vraie foi dans la parole. Il est écrit. Dieu l'a dit. Combien reconnaissent que Jésus est ici aujourd'hui? Amen. C'est ainsi que vous devez reconnaître qu'il est ici maintenant. Tout comme Siméon. C'était un homme juste, un homme pieux. Et un jour, le Saint-Esprit, la charité, est venu sur lui. Et il lui fut révélé par la charité qu'il ne goûterait pas à la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voyez-vous, sa foi était ointe par la charité avec une révélation. Et votre foi a été ointe. Et vous ne goûterez pas à la mort avant de voir le Christ. Oh, un jour, il n'apparaît pas ce que nous serons. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Il n'apparaît pas ce que nous serons. Mais nous savons. Nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui. Gloire à Dieu. Nous serons comme lui. Gloire à Dieu. Enfoncez ça dans votre âme. Ancrez ça là-dedans. Je serai comme lui. Nous verrons le roi. Nous verrons le roi. Je vois l'arche monter sur la route. Gloire à Dieu. Puis Siméon a témoigné à tous les pharisiens et aux ministres. Cet tonnerre donne la foi. Je vais voir le Christ. Ils ont dit, toi, tu es dérangé. Mais la charité l'avait révélé. Il a donné son témoignage. Et un jour, le grand jour est arrivé. La charité est descendue. Le 4 avril, le 5 avril, disant, lève-toi, Siméon. L'heure est venue. Et le Saint-Esprit a conduit Siméon dans le temple. Voici venir Siméon. Il y avait toutes les mères avec tous les bébés. Comment pouvait-il savoir où? Le raisonnement ne pouvait pas le savoir. L'imagination, l'affection ne pouvait pas le savoir, mais la pensée de Jésus-Christ a conduit Siméon en passant devant celle-ci et celle-là. Et il y avait la petite Marie. Elle avait les bébés des sept tonnerres. Et Siméon a dit, voici le Christ du Seigneur. Il a prophétisé. Nous avons le Christ du Seigneur, les sept tonnerres, et je prophétise. Les sept tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement.
il y aura un enlèvement. Je prophétise. J'ai mon bébé de sept tonnerres. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire. Ce même esprit qui était sur Siméon est sur vous aujourd'hui pour vous conduire directement au baptême, pour vous conduire à votre guérison. L'expectative est là. La charité crée une atmosphère d'expectative en vous révélant quelque chose qui se produit, c'est réel, une substance, l'évidence, c'est maintenant. Amen. Saint Luc 8:40, et il arriva que lorsque Jésus fut revenu, le peuple le reçut avec joie. Parce que l'arche est reçue avec joie. Au-delà de votre cycle intermédiaire, là, dans l'âme, reçue avec joie. Le grand prêtre peut entrer ce matin. Voici Jésus. Ils ont entendu parler de lui, et il a été accueilli avec joie, car ils l'attendaient tous, tout comme le dimanche des rameaux. Il est venu ici, là, sur le petit d'une ânesse, et ils l'attendaient. Ils ont pris leurs paumes, leurs palmes, et les ont jetées sur son chemin. Hosanna, Hosanna, au plus haut. Et vous l'attendez ce matin. Oh, quel décor ici ce matin. L'atmosphère est là. Le peuple est sanctifié. La révélation est ici. Oh, tout peut arriver. Attendez-vous la dynamique ce matin? Qu'elle tombe sur vous aujourd'hui? La charité, l'épouse de la parole, pour accomplir les saintes œuvres, en faire une sainte union de la sainte foi et des saintes œuvres ensemble pour une seule chair. La parole faite chair, une atmosphère d'expectative. Maintenant, remarquez, Jésus était en route vers la résurrection. Sommes-nous en route vers la résurrection? Et la fille de Jaïr était là. Elle était en train de mourir. Il a dû traverser des foules et des multitudes. Mais voici Jaïr. Il avait la foi. Il est tombé à ses pieds et il a adoré. Et il a supplié la parole de venir à sa fille mourante. Il était désespéré. Je dois avoir le baptême d'amour. Je suis désespéré aujourd'hui. Je serai guéri aujourd'hui. Maintenant, souvenez-vous, Saint Luc 8:46 est le même que 2 Pierre 1:3. Ici, en grec, il est écrit, Saint Luc 8:46, et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, car je perçois que la vertu est sortie de moi. En grec, il est dit, et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une puissance est sortie de moi. Donc la vertu est la puissance. La puissance est dynamis, la dynamique. Alors la dynamique est sortie de Jésus. Saint Marc 5:30. Jésus, sachant en lui-même qu'une force, une puissance s'étant retournée, et il a dit, qui a touché mes vêtements? Parce que quelque chose était sorti de lui. Quelqu'un avait touché le bord de son vêtement. Les vêtements de la parole. Le bord. Amen. La foi. Et puis la vertu a coulé. Lorsque votre foi est ouinte, la vertu coule. 2 Pierre 1:3, selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à la vertu et à la gloire. La connaissance spirituelle, pour savoir que Dieu est omnipotent. Car lorsque l'omnipotence parle, le miraculeux prend place. Amen. Maintenant, voici la femme à la perte de sang depuis 12 ans.
un type de l'Église aujourd'hui, de 1965 à 1980, 15 ans, qui ne semble pas pouvoir retenir le sang des sept vertus. Ça ne tient pas. Je ne peux tout simplement pas vivre correctement. Vous avez une perte de sang. Amen. Mais il y a un homme qui marche aujourd'hui. Il porte les vêtements de la parole. Il y a l'atmosphère, l'expectative. Et la femme avait besoin de puissance vertu pour arrêter la perte de sang. Voici un exemple de vraie foi. Sans qu'on lui impose les mains. Pas de main. Juste la foi. Oh, si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement. Sa propre foi l'a guéri. Deux preuves de sa guérison. Le flux s'est arrêté. Elle pouvait sentir que quelque chose s'était passé. Ça s'est arrêté. En d'autres termes, elle a vécu quelque chose dans son corps. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais quelque chose m'est arrivé. Il m'a touché. Il vous touchera aujourd'hui. Cette perte de sang cessera. Gloire à Dieu. Quand il touchera votre cœur, quelque chose en vous qui tient les rênes. Alléluia, frère. Gloire à Dieu. Jésus pouvait sentir la vertu guérissante sortir de lui. Il savait que quelqu'un l'avait touché par la foi, parce qu'il l'a dit. Qui a touché mes vêtements? Qui m'a touché? Ses disciples disaient, « Seigneur, tout le monde te touche. » Oh non, c'était une autre sorte de contact. Amen. Gloire. Et aujourd'hui, Jésus dit, il y en a beaucoup dans le message qui ne me touchent. Ils me pressent, mais je ressens une touche différente. Sept tonnerres donnent la foi pour toucher le bord du vêtement. Sept tonnerres, toucher le bord. Gloire à Dieu. Il y en a beaucoup dans le monde qui le pressent, des multitudes. Mais la femme avec la paire de sang, si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, que Dieu soit loué. Quelqu'un a touché mes vêtements. Saint Marc 5, 27, quand elle eut entendu parler de Jésus, elle avait entendu parler de lui, elle entra dans la foule qui se pressait derrière et toucha son vêtement. Saint Marc 5, 28, elle a prié en elle-même en disant, si je peux seulement toucher ses vêtements, les vêtements de la parole, Malachi 4, Seigneur, laisse-moi vêtir l'épouse avec les vêtements de la parole. Jésus est ici maintenant, marchant en vous. Si je peux seulement toucher les vêtements, remarquez la foi, je serai guéri. La foi, elle a déclaré, elle a parlé, Dieu l'a entendu. Alléluia. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sept tonnerres, un écho du ciel, donne la foi pour toucher le bord du vêtement. Et une fois que vous le touchez, ça coule. La bénédiction coule. Remarquez trois étapes dans la guérison. Elle avait entendu parler de Jésus. Numéro un. Numéro deux. Elle est venue par la foi, dans la foule, avec expectative. Elle s'est mise parmi les gens. Sortez de mon chemin. Elle a traversé la foule. Elle est allée par-dessus. Elle est passée sous les jambes, dans la poussière. Elle s'est glissée là. Elle a dit, si je peux simplement le toucher, si je pouvais juste toucher le bord de son vêtement, pas une fois, quelqu'un lui a marché sur la main. Elle a dit, tout va bien, que Dieu vous bénisse, éloignez-vous. Quelqu'un lui a donné un coup de pied à la tête. On l'a piétinée.
des crachats, des coups de pied, si je peux juste toucher le bord de son vêtement. Rien ne m'arrêtera. Gloire. Soyez comme ça ce matin. Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, vous serez guéri. Vous serez rempli. Rempli. Gloire. Alléluia. Encore 5 minutes. Numéro 3. Et par la foi, la révélation, elle a touché le bord du vêtement. Alors, demandez ce que vous voulez. Elle a prié en elle-même. Si je peux toucher le bord du vêtement, je serai guéri. Elle était poussée à bout. Elle avait essayé tous les remèdes. Elle est allée, ministre, je veux dire, de docteur en docteur. Elle est allée chez ce faux roi ainsi et celui-là. Ils ont pris toutes ses dîmes. Ils ont pris toutes ses offrandes. Elle a souffert beaucoup de choses à cause d'eux. Oh, je veux dire, je suis sur la route maintenant. Oui. Oh, gloire. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Et ils lui ont parlé de cette révélation-ci et de celle-là, qu'elle pourrait être guérie. Il faut les sept tonnerres. Gloire à Dieu, amen. Et après s'être assise dans la cuisine, à table, son état s'est encore aggravé. Alléluia. Et cela empire maintenant. Ils sont en pire forme ce matin que la semaine passée. Alléluia. Mais maintenant, en avril 1981, la nuée lui-même est ici. Ensuite vint Jésus. La dynamique sur la mécanique. Gloire à Dieu. Quand elle a réalisé que c'était la nuée, que c'était la charité, elle est passée à l'action. Elle avait entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. La parole des sept tonnerres, l'adoption, la perfection. C'est la voix de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Pour cette saison. Numéro 2. Elle l'a reconnu. C'est la parole. C'est ça. Elle l'a reconnu, lui. Les vêtements de la parole. Par révélation. C'est scripturaire. C'est une promesse. C'est écrit. Dieu l'a dit. C'est à moi, c'est à moi. C'est la dynamique qui est là, répandue sur l'épouse. Saint Jean 14, 12, c'est le ministère de Christ qui est ici ce matin. Numéro 3, elle a entendu, elle a reconnu, elle a agi en conséquence. Agir signifie sortir, croyez-le, faites quelque chose. Elle est donc venue dans la foule, elle a fait quelque chose. Elle est entrée là. Elle priait désespérément en elle-même. Elle avait une révélation qu'elle serait guérie ce jour-là. Montagne, déplace-toi. Je le crois. Elle a dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai rétabli. Et il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à Dieu. La parole doit vous être inspirée. Alors l'inspiration est en vous. Vous l'entendez, vous la reconnaissez et vous agissez en conséquence. Et lorsque les pensées de Dieu sont parlées, c'est la parole. Ça ne peut pas faillir. Car lorsque l'omnipotence parle, le miracle prend place. Gloire. J'ai presque terminé. Et quand un homme est inspiré et qu'il lit la parole inspirée et s'assoit sous le message inspiré, alors les deux inspirations se rejoignent. Elles lui donnent le résultat. Et quand les deux omnipotences se rencontrent, quelque chose doit trembler. La sainte foi est en vous maintenant.
Mais la charité est au-dessus de vous, et les œuvres saintes sont ici. Le miraculeux confirmera la toute-puissance. Jacob, grâce, Joseph, perfection, l'inspiration. Cette tonnerre sont les sept voix de l'esprit de l'Église. L'inspiration. Gloire. Je l'ai entendu. Je l'ai reconnu. J'ai agi en conséquence. Je suis allé là. Dynamité, dynamité. Gloire à Dieu. Et maintenant, l'inspiration est sur vous. Vous en avez entendu parler, vous le reconnaissez, et vous agissez en conséquence ce soir. Gloire! Page 13, je pose les bases, le contexte, pour un message court et rapide qui va secouer toute la nation. Et je vous le dis au nom du Seigneur, ça a déjà commencé à New York City, à Guayama. Nous sommes en route, c'est en cours maintenant. Donc, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce qu'il nous faut ici ce matin, c'est la charité. La charité est l'inspiration de la dynamique. L'amour de Dieu lui-même qui vous envahit d'une nouvelle inspiration et qui souffle sur vous. Recevez le Saint-Esprit. Respirez son amour lui-même. C'est pourquoi que cela vous inspire, comme la femme avec la perte de sang a été inspirée. La puissance vivifiante est là pour vous éveiller aux promesses confirmées pour aujourd'hui. Parce que la foi des sept tonnerres n'agit que par l'amour. Saint Jean 15, 7, demandez ce que vous voulez. Que se passe-t-il ce matin? La parole qui est en vous est amenée ce matin dans l'inspiration de la dynamique. Quelque chose bouge. La parole a été vivifiée. Alors vous verrez des miracles, parce que les deux inspirations se sont réunies. La voici. La sainte foi du mari s'est unie pour la sainte union par l'épouse de la parole, qui est les saintes œuvres, la charité elle-même, la dynamique sur la mécanique. Gloire à Dieu. Elle amènera la parole à la vie, ressuscitera les morts. Elle nous emmènera dans l'enlèvement. Pourquoi? Quelque chose vient de se passer. L'inspiration a germé. Quelque chose se passe maintenant. Quand un homme se repent de ses péchés, alors il est inspiré pour recevoir la parole inspirée. Terminons maintenant. Remarquez en terminant, la femme avec la perte de sang, pour vous le rapporter, elle avait entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Numéro 2, elle a une révélation. Si elle pouvait seulement toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. De la foi jusqu'à la charité. Cela pourrait arriver aujourd'hui. La dynamique est là. La charité est là. Il est tout autour de vous. Vous pouvez le faire se retourner. Qui a touché mes vêtements? Vous pouvez toucher ses vêtements ce matin. Si moi, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Tenez-vous debout, ô Église du Dieu vivant, levez les mains, alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus, Seigneur Dieu, si seulement nous pouvons toucher le bord de ton vêtement, je vois aujourd'hui Père, que beaucoup touchent le bord de ton vêtement, alléluia, Seigneur Dieu, Père, nous prions en nous-mêmes. Si nous pouvons simplement toucher le bord de ton vêtement, nous serons guéris. Alléluia. Nous sommes diligents pour exercer la foi. Nous avons combattu notre chemin pendant 15 ans, à travers la multitude, à travers la foule. Nous n'avons pas à te voir, Seigneur, nous te croyons. Nous sommes la foi en action. Elle rampa sous la multitude, là. Nous avons une confiance si forte
Nous n'avons à ressentir quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire d'attirer ton attention. Tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est d'arriver aux vêtements de la parole. Elle a touché le bord et Jésus s'est retourné. Il est ici ce matin et il dit, je perçois ce matin que la vertu est sortie de moi ce matin. Alléluia! La vertu est en train de sortir. Gloire à Dieu! Seigneur Dieu, guéris chaque personne ici. Que les yeux aveugles s'ouvrent. Que les boiteux marchent. Que les sourds entendent. Que les muets parlent. Au nom de Jésus-Christ, guéris le corps de ma femme. Guéris le corps de Johan au nom de Jésus-Christ. Que Dieu libère les captifs. Guéris chaque personne dans le bâtiment. Guéris le corps de ton serviteur, Seigneur. Puisses-tu remplir ton peuple du baptême du Saint-Esprit. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne peux pas faillir. Tu peux être touché ce matin. La charité est là. La puissance vertu pour le service. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez toucher les vêtements de la parole aujourd'hui. Pour toute promesse biblique, priez pour votre famille. Priez pour le Saint-Esprit. Priez pour votre guérison. Il est là, il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez toucher son bord aujourd'hui pour le baptême du Saint-Esprit. Le contact de la foi a exaucé le désir de la femme. Encore une fois, Seigneur, je me sens comme Samson aujourd'hui. Je sens que les 7 tresses de cheveux ont repoussé. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Souffle ton amour sur nous. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit lui-même prenne l'Église dans un tel contrôle de l'amour divin jusqu'à ce que les malades soient guéris, que les aveugles voient, les boiteux marcheront sans l'imposition des mains. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur de m'avoir touché ce matin. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci pour la touche. Je sais que je suis guéri ce matin, Père. Je sais que mes reins sont guéris. Je sais que mes poumons sont guéris. Par la foi, je sais que mon estomac est guéri. Alléluia. Je sais que le corps de ma femme est guéri. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. J'accepte ma guérison aujourd'hui. J'ai touché le bord du vêtement. La foi me guérit. La foi vous guérit aujourd'hui. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Lorsque vous sortirez d'ici, vous serez une personne différente. Le réveil est en route. Gloire à Dieu. Ensuite vint Jésus. Jésus-Christ est ici. Vous pouvez toucher le bord de son vêtement. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez aujourd'hui. Soyez en prière la semaine prochaine. Priez lundi, mardi, mercredi. Venez en levant les yeux dans l'expectative. Gloire à Dieu. Je sens par la foi que la semaine prochaine sera la plus grande effusion du Saint-Esprit. J'ai l'impression que ce soir, il y aura une autre effusion. Priez tout le long de la journée. Venez ici en ayant prié. Nous y sommes. Il m'a touché. Il m'a touché. Combien ressent une touche? Donnez-nous l'air. Il m'a touché. Touch. And oh, touch me. Il m'a touché. And oh, the joy. Et oh, la joie remplit mon âme. Something quelque chose happened est arrivé. And now, et maintenant, je sais. He touched me.
Il m'a touché. Et il m'a guéri. Oh, la joie qui inonde mon âme. Oui, quelque chose s'est passé. Et maintenant je sais. Il m'a touché. Et m'a guéri. He touched me. Oh, he touched me. And oh, joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me. And God is so good. Dieu est si bon. Isn't he wonderful? N'est-il pas merveilleux? God is so good. Dieu est si bon. I love him so, I love him so. Je l'aime tant, je l'aime tant. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Well, let's praise his name. Let's praise his name. Let's praise his name. He's so good to me. Now, hold to his word. Tenez-vous à sa parole. Tenez-vous à sa parole. Il est si bon pour moi. Et souvenez-vous, Dieu répond à la prière. So good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh my, I love him so. I love him so. He's so good to me. Let's praise his name. Let's praise his name. Let's praise his name. He's so good to me. Hold to his word. Hold to his word. Hold to his word. He's so good to me. Ask what you will. Demandez ce que vous voulez. God answers prayer. Dieu répond à la prière. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me.
Thank you, Lord. I am so needy, Lord. J'ai tant besoin, Seigneur. I am so needy, Lord. So needy. Worship the Lord now. Adorez le Seigneur maintenant. Vous ne savez pas ce qui va arriver. This is Palm Sunday. C'est le dimanche des Rameaux. Jesus come riding in. Et Jésus vient. Don't give up. N'abandonnez pas. Be more like you. Here's what's needed. Voilà ce qui est nécessaire. Share all my rights away. In this world of sin. J'abandonne tous mes droits dans ce monde de péché. I am so needy, Lord. J'ai tant besoin, Seigneur. Make me pure within. Rends-moi pur à l'intérieur. I am so needy, Lord. So needy of you. I am so needy, Lord. Oh, to be more like you. Share all my rights away in this world of sin. I am so needy, Lord. Make me pure. Let go and let God. Lâchez prise et laissez let Dieu agir. Go and let God have his wonder. Relax like that wire. Détendez-vous comme ce fil avec le moins de résistance. His way. Oh, come on, relax. Allons, détendez-vous. Sorrows will vanish. Vos chagrins disparaîtront. Votre nuit se transformera en jour. Lâchez prise et laissez Dieu suivre son chemin. Oh, il va entrer maintenant. Lâchez prise. Your sorrows will vanish. Your night turn to day. Let go and let God have his way. Oh, one more time. I feel good. Let go and let God have his one. In the balcony, in the basement, let go and let God. Let go. And let God have his way. Oh, your sorrows will vanish. Your night turn to day. Let go and let God have his way. Oh, wonderful, wonderful. Merveilleux. Isn't he wonderful? N'est-il wonderful? Pas merveilleux? Wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, Almighty God is he. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise his name. Now turn around. Wonderful. Jesus is to me, Prince of Peace, Prince of Peace, Almighty God is he, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, Almighty God is he, saving me. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Me, keeping me from all sin and shame.
wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, hallelujah. Praise God. Gloire au Seigneur. Praise God down in Guyama. Louez Dieu à Guyama. Glory. This tape is going down. Cette bande ira à Guyama. Guyama. Que Dieu soit loué. Que le Saint-Esprit tombe à Guyama quand ils entendront cette bande, comme il tombe sur les gens maintenant. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh là là. Combien apprécie Frère Quiñones? Il a fait un excellent travail. Combien apprécie Frère Nino? Gloire à Dieu. N'oubliez pas, vous êtes magnétisé. Vous êtes câblé. Ligne de moindre résistance. Vous pouvez conduire l'énergie mécanique dans votre dynamo. Et la charité s'est branchée sur vous. Nous y sommes. Pâques. Mai, juin, juillet, ça ne s'arrêtera pas. Impossible, impossible. Nous y sommes. L'aimant est en vous. Ensuite vint Jésus. Je l'ai identifié aujourd'hui. Il m'a dit que c'était le dimanche des rameaux pour identifier qu'il est ici. Il est ici. Vous pouvez toucher le bord de son vêtement à partir de maintenant. La puissance du Saint-Esprit se déplace.